Avec Forme Aviatique, Marcel Kahn témoigne de sa fascination pour l'innovation technologique et pour le monde de l'aéronautique, autant qu'elle s'intéresse à la question de l'espace pictural. Avec ses spatiaux, elle va plus loin. Elle passe de la 2D à la 3D. C'est qu'entre 1930 et 1961, l'homme s'est lancé à la conquête de l'espace. En effet, en 1957, les Soviétiques lancent Sputnik 1 et envoient la chienne Laïka dans l'espace. En 1961, Yuri Gagarin est le premier homme à effectuer un vol spatial avant que Neil Armstrong et les siens ne posent le pied sur la Lune en 1969. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. 1961, c'est précisément l'année où Marcel Kahn conçoit, avec l'aide de l'artiste Gottfried Honegger, son premier objet cosmique, intitulé précisément Spatial. Ce nom nous ramène à l'univers des fusées, des satellites et des stations orbitales. En convoquant l'imagerie spatiale, Marcel Kahn s'inscrit donc bien, là encore, dans son époque, celle de la guerre froide, au cours de laquelle l'URSS et les États-Unis rivalisent pour la conquête de l'espace. Ces spatiaux sont le point d'aboutissement de la réflexion que mène l'artiste sur ses tableaux-reliefs. Après avoir introduit du relief dans l'espace-plan du tableau, la voilà qui se frotte directement au volume. Tout d'abord, elle s'emploie méticuleusement à découper et assembler ses boîtes de médicaments sur lesquelles elle intervient en collant des formes géométriques de couleurs, ou comment un simple emballage de Valium devient la promesse de la conquête de l'espace intersidéral. Spatial 2 est la transposition, en bois peint, de cette réflexion initiale et de ses expérimentations en carton. La surface plane du bois, peinte en blanc, découpée et pliée par Jean Petitori, joue avec l'espace. Les modules géométriques ainsi créés rythment l'œuvre. Ils permettent des jeux de lumière accentués par les reliefs et les pastilles géométriques colorées qui viennent compléter le dispositif. Les contrastes sont puissants et contribuent ainsi à cadencer l'œuvre. Très clairement, cet appareillage nous ramène à l'imaginaire spatial qui imprègne les années 1950-1960 et marque de nombreux artistes. La dimension poétique y est palpable, tout autant que la réflexion physique, voire métaphysique, sur l'infiniment grand, sur l'espace, l'espace de l'œuvre, l'espace dans lequel celle-ci prend place. Marcel Kahn en quête d'espace, un petit pas pour elle, un grand pas pour l'art.